Bonjour, bonsoir, amis auditeurs, à quels amis téléspectateurs, pour suivre Haïti 360 sur HPM Haitian Public Media. Toute actualité qui a passé en Haïti en 360 degrés. Non moins, c'est pas le mislixon après le temps. Stap contrôlant, gain charmant, gelin, qui a fait manœuvre technique, yo. Nous pralouer quelques points qui a dominé l'actualité. N'a démarré avec actualité en la ville Port-de-Paix, direction départementale santé nord-ouest. Il y a eu une conférence pour la presse mercredi 20 mai 2020. Côté au fait qu'on est, il y a 35 cas suspects dans le département nord-ouest. 10 cas confirmés, pas de monde qui mourit. Pendant qu'il y a annoncé qu'il y a un membre dans le bureau départemental santé publique nord-ouest qui testait positif de COVID-19. Nous croyons que là, nous déjà, sous département, à 35 cas suspects et que nous gagnons 10 cas confirmés, 0 décès. Mais il y a une bagaille particulière qui a attiré l'attention. La presse, c'est que, au niveau de la direction sanitaire, là, et c'est ça même que la presse a demandé, nous gagnons un collaborateur dans le bureau testé positif. Le fait que testé positif, c'était un dépistage volontaire et qu'il n'est pas présenté aucun symptôme. Donc, une fois que nous avons testé positif, c'est-à-dire que matin soir, dans le bureau, après nous mettre des papiers sous porte là qui dit que nous fermons parce qu'à partir de hier après-midi, nous procédons à décontamination du bureau, nous fermons pour 48 heures de temps. Personnel s'allie en isolement et que nous avons suivi quotidiennement. Heureusement, jusqu'à présent, il n'est pas présenté aucun symptôme. Nous avons rappelé que c'était un dépistage volontaire. Donc, les tests positifs, on y a là. Tout le monde qui est dans l'entourage immédiat collaborateur, ça, nous obligé à tester obligatoirement. Et tout le monde qui est dans l'entourage éloigné, nous obligé à mettre en quarantaine pendant 14 jours pour nous capables de suivre, pour nous voir est-ce qu'il y a des symptômes ou bien est-ce que, à bon nombre de temps, que 14 jours passés, nous ne pouvons pas nous occuper avec eux, nous avons regardé pour nous voir comment ça va. Force Nord-Ouest INI, une organisation qui n'a opposition mettait ensemble avec diverses organisations de base dans ville Port-de-Paix, organisée matin jeudi 21 mai 2020, ça, une manifestation dans ville Port-de-Paix pour saluer départ Katel mairie Port-de-Paix qui gagne en tête li monsieur José Alusma, yo estimé qui fait en pile malversation avec bien commune selon porte-parole Force Nord Paul Élie Faustin qui déclarait Communant, papa reconnaître signature, magistrat José Alisma, jusqu'à vendredi 22 mai 2021 à minuit. Moun ki nan kadèl la la, parce que Alisma son vagabond, il devant tout moteur machine qui gen nan mairie a. Il prend moteur général qui tap machine nan mairie a, il met elle nan radio. Ça dit que Alisma son voleur, c'est moun ki nan vieux avec bol, comme une vin pisal, pour garder jodi a la. Alisma entre dans logique avec même nan ki te vole 41 millions nan département pour commune bord de paix, nan kadèl la rénovation. Monsieur vin manger comme ça, il met ça ensemble avec même nan ki sa yo, c'est intérêt nèg sur la virer pendant que la population est laissée. Et mais jodi là, nous dit Alisma, demain si je veux, à partir de minuit, signature pas autorisée. Et à qui ça va de faire? N'a pas de sénat Jovenel Moïse, parce que c'est lui-même jusqu'à présent, nous connaît qu'il là, même là, il va faire extérieur, parce que tous ces volets, ils ont console, puis ils volent là, j'en veux. Manifestation ça sous haute sécurité PNH là te fini sans aucun incident. Manifestants yo te tout profité déposer un chef flè nan pied monument Tony Vegno mais adjoint commune Port-de-Paix qui te perdu la ville dans un accident circulation nan date 22 mai 2018 là à Boyon Bako Loder magistrat Alisma José t'a piloté. Mais ça provoque pour des nègres ici, vous connaissez aucun état, nous sommes mauvais pays, pour que d'avoir l'argent économique, comme système économique là. Depuis c'est où qui le monde, vous faites sauver. Et mais c'est ça que fait Tony Vegno, pas un extérieur, c'est quand je suis en bas avec vagabond ça, quatre mouni ici. Antonio, vous y a des fonds cartels, mais Tony Vegno la donne. Malheureusement, Tony Vegno va dire quoi? C'est ça que fait Port-de-Paix, tout le monde est allé là. Alisma a venu diviser ville Port-de-Paix. L'abdi notable a fait un coup, oui, quitter Port-de-Paix. Pendant que Alisma sont américains, sont voyous, ils baguent même un poule dans le département nord-ouest, spécialement commune Port-de-Paix. Est-ce que madame, monsieur, n'a pas répondu?
n'a pas retiré pas bouquet là dans bouche nous n'a fout du feu dans bord de paix n'a pas bord de paix pas une réserve contre équipe voyou contre équipe voyou qui malandé bord de paix moi pas trop fort pour les bord de paix moi pas trop fort c'est à dire que si bord de paix prend du feu tout le monde qui là dedans son équipe voyen c'est parce que pas gagne monde qui fait une gaffe moi même qui pour avec dans je me camper là on t'a une super population jour où monde dans bouche fell monde dans belle fell toute la côte fell parce que l'on moun peuple voto, ou si vous êtes campé pour le peuple là-bas, vous faites trois pillages dans la mairie, il ne peut pas défendre l'intérêt commun, ça ne fait pas la régler avec les qui volent l'argent rénovation pour le soit pas peuple dans l'État, ça a deux chiens pipi, ou bien deux souris pour le peuple inondé, c'est parce que nos complices avec Alisma a fait l'argent, a fait boire ce qu'a réglé, qui fait pour le peuple dans l'État. Avancer toujours avec actualité. Hein. Président Jovenel Moïse a annoncé à lundi 18 mai. Limité le cap sur organisation élection dans le pays d'Haïti et d'après conseiller Guichard Doré qui porte quelques précisions sur lettre yo écrit dans sens ça conseil électoral provisoire qui gagne environ 3 semaines dans le ça et conseiller président Jovenel Moïse là dit exécutif là mandé KPA pour préparer yo avant projet décret électoral et puis exécutif là a gagné pour le transformer en décret électoral pour arriver organiser prochaine élection pour capable organiser prochaine élection yo et monsieur Doré qui fait connaître que les fait connaître ou bien monsieur Doré fait remarquer à côté élection législative pour renouveler parlement KPA Doré préparer une autre tout prochain et séance élection d'après lui-même collectivité yo à présidentiel yo en suivre Guichard Doré exécutif a écrit CPA pour demander lui d'abord yo informer CPA dans lettre là que parlement pas qu'à voter loi électorale. Je n'ai pas oublié qu'il me dit que initialement, c'est PA qui prend l'initiative pour te préparer un bon projet de loi électorale qui est soumis à l'exécutif là. L'exécutif a été converti en projet de loi électorale qui est transféré au Parlement. Pour reconnaître des commissions du Parlement qui commencent à insulter ça, mais entre-temps, le mandat du Parlement est arrivé à terme. Il va peut-être voter texte dans les thèmes, dans les deux chambres pour te faire une loi électorale. Donc, tenant compte de la situation, ça, le président de la République a demandé pour le cabinet du président et pour te communiquer au CEP, il y a une correspondance pour Mandeli, pour le travail sur le projet de décret électoral. Le projet de décret électoral, ça, c'est à pour le travail sur lui et pour le soumettre à l'exécutif là pour prendre sous forme de décret pour qu'on organise l'élection. Donc, on a bien plusieurs échéances qui sont presque arrivées, bien finies déjà, ou bien parlement supposé renouveler. Le conseil électoral, provisoire également, dans le texte électoral, a d'autres en compte que la question des collectivités territoriales. Compris l'élection présidentielle, parce que nous n'avons pas l'entrée dans le période là, pas 4 ou 50 textes, on sait que ça pour l'organisation d'élection, à ce district électoral. Donc, dans ce sens-là, c'est qu'il y a mettre le travail, c'est ça qui va se demander, pour mettre le travail, pour voir comment tu as proposé l'avant-projet du décret électoral pour qu'il soit adopté sous forme de décret électoral pour organiser l'élection. Je ne sais pas si vous êtes en train de répondre ou pas, ça va être informé sous ça, pour demander sous ça, mais je connais que si vous revenez au mandat constitutionnel de l'organe permanent provisoire, l'élection électorale, c'est lui-même qui pourra organiser l'élection dans le pays. Yon l'autre côté gagne plusieurs responsables partis politiques qui réagissent à l'exception de Chantel Joseph qui s'est allié pouvoir qui écarte toute possibilité pour aller dans l'élection avec président Jovenel Moïse sous pouvoir. D'ailleurs, yon estimé y a fait tout moyen possible pour élection organisée à Nessa dans le pays d'Haïti. C'était dans l'occasion commémoration 217e anniversaire drapeau national là 18 mai ça président République là fait annonce là pour Edmond Siplice Bouzil président de Fusion pas qu'à gain élection dans pays là le point conjoncture actuel là mettez sous sa confiance quelques membres dans population pas gagné dans pouvoir en place là. Organiser les élections en octobre 2017 pour le remplacer l'autre Sénat et ensuite pour le faire élection pour le remplacer l'autre Sénat et avec Chambre des députés. Aujourd'hui, l'île viole la Constitution parce que l'île joue aucun temps verbal pour capable prolonger mandat au groupe de sénateurs qui arrivait à terme en 2017. Donc maintenant qu'on y a là, il fait tout ça et puis qu'on y a le blanc et l'argent du blanc. Donc là, nous disons non. Porte-parole mouvement populaire des Saliniennes, lui-même tout l'éclair sur question ça. Serge Jean-Louis Voyer j'étais bien loin l'idée pour ta gagner élection dans pays avec équipe sous pouvoir pendant les dit les craintes pour pas gagner magouille.
premier bail là, il va entrer dans la pratique PHT quand on organise l'élection. Parce qu'il y a des démocrates. C'est des dictateurs, vous voyez, qui à la faveur de la démocratie, qui perdent le bout de tomber là. Deuxième bagaille, un pays qui est dirigé par bandits légaux, il mettait gang dans tout pays là, pour bailler ça. Pour demander un candidat en face de HTK pour faire campagne. Il va encore troisième bagaille là, c'est clair que tout le monde est au courant. Quatre démalogues là, une planification basique électorale qui fait pour prendre l'élection. Par contre, responsable consortium national parti politique haïtien yo, batte bravo pour décision ça, même s'il est estimé qu'il est venu trop tard. Jean-Tel Joseph, proche pouvoir en place là. Les pensées, les urgents pour renouveler personnel politique là. Nous besoin au Parlement qui pour contrôler les actions de l'exécutif. Donc, seule façon pour nous Parlement, nous ne pouvons pas nommer, pas de route, pas voir cette élection qui pour organiser, après toutes précautions nécessaires, mais il faut bien élection. L'autre côté, coordonnateur général parti Haïti pour reconstruction Yon Haïti organisé docteur Julio Félix, les désapprouvé des déclarations président Jovenel Moïse concernant élection yo, les pas capable gagner élection nan condition qui gagnent nan pays à la. D'après responsable politique là qui parlait parmi l'autre problème nan question technique ak politique. Et puis problème insécurité d'après monsieur Félix pays a prolongé nan yon grand crise économique ak sanitaire li pa capable permettre li la yon l'autre crise politique encore pour docteur Julio Félix faut gagne yon gros transition côté ou pral gagne pour organiser yon gros rassemblement ou bien yon conférence nationale pour rive ba yon nouvelle direction ak payan. Coordonnateur parti Kawa li estime Jovenel Moïse a vive nan sans sa li karele deni realite a mande li avec collaborateur yo pour yo pran men yo an suiv. Malheureusement, c'est yon pral rentre dans l'autre crise politique là et de grâce, nous pa kwè que nous payan capable pran sa jodi a. OK, nous non crise économique terrible, non crise humanitaire même par rapport à question sécurité alimentaire par rapport à ce qui sont manchés dans le pays. Par contre, quand on fait une crise politique, là, ça veut dire qu'il y a des années que tout secteur de la société a demandé pour nous changer ça qu'a fait là, pour nous aider, pour nous faire une pause dans le pays, pour nous faire une pause politique dans le pays, pour nous capables d'essayer de cerner tête nous, rentrer dans notre transition politique, remettre le pays sur le rail, essayer de mettre le pays sur le rail du développement réel. Ou pas qu'à rentrer encore, que dans ces dirigeants actuels, pour aller entrer dans la bataille, de le font aller en plus encore, de l'UBN en 22, etc. Moi, c'est que la constitution est claire, on passe gagner des lois qui sont claires, lois électorales claires, etc. Même si tu as gagné en confusion dans ce bagage écrit et que chaque fois tu as cherché à interpréter de façon pareille, dans le bras, je pense que là, je dis, on pense que tu es chanté, tu es comme ça, tu es campé petit à petit. Et quelque part, comme homme d'État, quelque part, on a essayé de payer en chance. On a essayé de payer en chance. On profite de toute crise sanitaire que nous avons là, pour faire un petit campé et dire, OK, voilà qui l'heure que nous sommes capables d'essayer. Mais ça, c'est plus grand si le régime s'arrête à camper et dit, bon, OK, 2021, on nous fait camper tout ça. On nous rentre le pays, non, l'autre, on nous rentre le pays. Non, grand transition politique, très changement qui faut. C'est gros rassemblement que nous avons cherché depuis longtemps, une sorte de beau état général, un gros blé, on met tout le monde chita ensemble, comme congasson, et quel que soit le secteur qui vient de la société, on va pas rentrer dans la bataille, est-ce que c'est 21, est-ce que c'est 22, etc. On va pas rentrer dans ça. Pas gen aucune possibilité pour élection organisée dans pays ça avec régime PHTK si tout condition yo pas réuni ces déclarations yona parti forum patriotique papayo monsieur Chavanne Jean-Baptiste qui continue plaider en faveur yon transition dans pays a leader paysan accusé président Jovenel Moïse li dit qui c'est yon marionnette qui nan main américain
américain pendant li tiré à boulette rouge sous gouvernement américain. Il dit qu'il supportait Jovenel Moïse pour le faire rester sous pouvoir, alors que Jovenel Moïse n'a pas aucune capacité pour répondre à gros problèmes population. Monsieur Chavanne Jean-Baptiste a tout profité de dénoncer l'utilisation de la crise sanitaire qui est liée à la COVID-19 et a fait pour régler le dossier élection. N'a pas évité au côté. Je sois disant, mais c'est campé, on s'est mis de programme tête en bas, pour que ce soit 3000 gouttes. 3000 gouttes là, c'est partisan PHTK, donc c'est campagne électorale qu'a fait le président, dit très clairement, que lui-même a travaillé pour faire élection. Depuis Jovenel Monté, le gouvernement Jovenel là, son gouvernement anti-peuple. Il y a une mobilisation nationale. J'ai été Jovenel plusieurs fois, le gouvernement américain qui Kendel. C'est pour des stratégies politiques américaines que vous gagnez contre. Venezuela contre Cuba, donc il a servi avec Jovenel comme marionnette. Peuple là, voyez Jovenel là les plusieurs fois, international la Kende, pour justement capable d'organiser même aux élections qui démenaient PHTK sous pouvoir. Gouvernement américain qui prend des Jovenel depuis quelques mois, font élection faite en octobre. Et vous savez, il n'y a pas qu'un peu faire quatre débats là. Plan Jovenel, c'est réaliser élection, si ce n'est pas en octobre. Maintenant, fin année, faut qu'on paye une transition, élection pas possible avec PHTK, pas aucune condition pour élection faite en Haïti en 2020. Nous-mêmes, nous pas pour gagner élection du tout avec Jovenel. Donc, Jovenel lui-même, mandat va finir février 2021. Et là, ça pour transition capable de commencer pour vivre cette élection après l'un PHTK. Pas aucune activité qui était organisée à Nessa pour te célébrer 217e anniversaire drapeau à cause à crise qui liée à COVID-19 là. Cependant, même Jean président Jovenel Moïse fait dans palais national là, magistrat Akayan dans cité drapeau à Rose Mila petit frère lui-même tout l'été adressé à la nation. Dans discours li prononcé, li mandé pour yo capable pour yo faire politique là yon l'autre gens pour capable changer condition la vie extrême que peuple haïtien. Aux amis la petit frère li critiqué participativité pouvoir à quel silence quelques partis politiques donc dirigeants société civile là à quelques secteurs privés face à climat insécurité qui gagne dans plusieurs côtés dans pays surtout dans site capitale n'a suivi. C'est un pile émotion, un pile qui sauté, un kem sous biscuit. Moi vinn devant nous dans une circonstance difficile, côté le monde à genoux devant une pandémie. Une pandémie qui commençait par gros qui sauté dans pays Haïti. Dans occasion ça, nous tombons bien bas devant toute frère Axel qui tombait en bas maladie ça en Haïti ou l'autre bord. Célébration de la POA doit rendre hommage à la qualité citoyenne à besoin pour résoudre crise sur crise dans la vie. Zav nous l'autre, Kimber, couleur bleu et rouge la jambe pour pas chambre de teint. Politique pour changer la vie, monde qui vit pour vieux, c'est fil qui coûte la POA. Fil ça détruit. Les gens qui sont dans le village de Dieu, Grand Ravine, La Saline, Abjouen Marel, en bas la pluie coup de balle, en bas rigozon, en bas grippe et sécurité. Alors que l'autorité n'a pas dit rien, en pile parti politique, qui dit qu'il y a une société civile, monde secteur privé à droits humains, croisé braille. À qui profite ce crime? À qui profite cette misère? À qui profite cet abandon? Yon kaba électrique haute tension tombé bien bonnet m'a dit passé nan marché tabac ça qui la cause 4 moun pou piti perdi la vie 3 moun mouri sou place ak yon moun ki t'ap pral mouri sou cabane l'hôpital d'après explication directeur communication mairie tabac Milka Jean-Baptiste. C'est avec un pile de tristesse matin, l'information est tombée dans le marché tabac. Et c'était environ 6h et 6h30 comme ça. Et nous prenons le marché, toujours bien, on sait de groupes de monde qui toujours viennent vendre très tôt. Moi, ça veut dire au courant. Et moi, qui viennent acheter tôt. Donc, malheureusement, et selon toute dernière information, moi, qui était sur place au bail, il faut reconnaître que c'est, ça lui a peine d'abattre un peu loin. Et puis, bon, c'est pas qui fait.
Et puis, bon, surcharge, j'ai déclaré le conseil, et puis votre tension, filo tension qui passait, dans la route marché, t'as cassé et t'as tombé sur quatre mondes. Malheureusement, il y a trois là qui étaient morts sur place, et bien, il y a une dernière information qui fait qu'on est mort et l'hôpital. Donc, monde qui est mort et l'hôpital là, nous pas gain sexy, mais trois autres monde que le service de CMI a été ramassé, quoi, après constat. Légal, c'est à deux filles, un garçon et deux machines en acheteur. Non, malheureusement, l'identité a été dans les mains qui malheureusement pas de guette à communiquer non yo. Donc, mais c'est deux filles, un garçon qui a perdu la vie. Yo. Et malheureusement, il faut dire que mon parents, mon sont déjà venu dans mes rires matin pour dire de quelle mesure, si toutefois, l'administration est capable d'accompagner. Mais nous connaissons. On a vu une situation très difficile, crise sanitaire, crise économique, de tout ça au lieu. Comme c'est une situation qui, malheureusement, pour du matin, donc on attend des suites légales et pour nous aider dans quelles mesures, qui ça qui t'a fait, ou du moins, c'est bon côté. Parents yo ensemble, donc yo l'autre fois, l'administration communale Tabama et San Simon Abdinjia, déplorer tout ça. Quatre jeunes garçons, parmi eux, un policier noyé lundi 18 mai passé dans ce plage public nous la 3e section Tigouave, chaloupe ça qui t'a transporté yo t'es trop chargé d'après juge de paix commune qui précisait t'es gagné 14 passagers à bord de chaloupe ça c'est Enoch Noël, Jackson Jean, Mardoché Lafleur et Kinsley Noël qui c'est un agent policier c'est nos quatre jeunes garçons ça yo qui mourir noyé lundi 18 mai passé sur plage publique nous là qui dans 3e section communale Tigouave suppléant juge de paix Telicio Veneville qui était possédé avec constat légal fait connaître c'est environ 14 jeunes qui étaient dans un chaloupe sur chaque plage yo té rivé responsable plage ça yo pas té vle recevoir yo ak mezi qui prend pour éviter propagation pandémie coronavirus là Delicio Veneville. Il y a quatre jeunes garçons qui ont été noyés au niveau de sous là. Non, petit bateau ça qui était là et c'est un petit bateau qui a fait d'après ça, ils ont délégué quatre là qui fait nous connaît qui était destiné pour le déporter environ 5 à 6 monde alors que tu gagnais 14 monde à bord et chaloupe blanc parmi monde ça yo nous gagnais Enoch Noël qui gagne environ 30 ans, nous gagne Jackson Jean qui gagne environ 25 ans, nous gagne Kinsley Noël qui est un policier, nous gagne Mardoché Lafleur qui gagne environ 30 ans. Donc 4 mois ça est arrivé et passé de vie à trépas. Il a arrivé perdu la vie. Et puis monsieur n'a pas de côté pour descendre parce que il a mis interdiction sur plage Cocoyer, sur plage. Gen 16 moun ki mouri, 75 lot soti blessé, bilan victime ki fait nan 37 accident machine ki enregistré nan semaine passée au niveau top accident côté directrice exécutif organisation top accident Dr Cassandra François a fait le point. Organisation Stop Accident y a déploré une augmentation de cas accident qui fait sur route yo dernier jour sa yo en particulier dans semaine qui s'est passé ça veut dire du 11 au 18 mai 2020 dans réseau nous recensé environ 37 accidents qui fait sur route yo avec une augmentation globale et en particulier sur route nationale numéro 3 accident ça yo fait environ 91 victimes parmi yo gen 75 moun qui blessé et dans 15 moun ki blessé sa yo gen yon vingtaine ki se des moun ki te a participé nan activité célébration fête drapeau nan peyi et gen environ 16 moun tou ki parmi 91 victimes sa yo ki mouri immédiatement ou du moins ki mouri sur le coup zone ki plus touché yo c'est Vivi-Michel Lili nan route nationale numéro 1 gen Delma 91 Delma 31 gen Canlise gen Saint-Raphaël Esch Miragoane Philippe dans Pétionville, Route Frère, Citoyen et Latrier. En même temps, nous constatons qu'ils ont laissé aller dans le cas de respect mesure que l'autorité sanitaire dans le pays avec le gouvernement prend pour empêcher que plus de monde attrape le nouveau coronavirus là, qui est une maladie COVID-19. Là. On a parlé de mesures de confinement et puis tout mesure de respect de certaines distances
entre moun qui nan transport en commun. Pour suivre Haïti 360 sur HPM et chaîne publique média, nous te content pour nous avec vous. Nami Kouan, c'était Palmes Lixon, La Prelta, depuis Haïti. Sous tap contrôle, te gen Chaman Gélin qui t'a fait manœuvre technique. Rendez-vous, c'est pour demain. Au revoir. Bonjour, bonsoir.